Heureuse de l'extrême étant l'origine de ce nouveau faux départ, partiront dans le dos d'un concurrent ou en léger retrait. Départ validé pour ce prix Valmont, une course autremontée pour apprenti de jockey pour chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans, avec un bon départ pour Univers Brévillet, également côté corde pour Ulster Duranche, alors qu'en troisième position, nous avons The Wall, alors qu'on est parti au galop avec Tara Frazéenne. On se retrouve également en dernière position avec Séphie du Saptel, également avec le numéro 11, Saphir d'Élite, et on est également à l'arrière-garde avec Rose de l'Extrême. Le numéro 10, Tara Frazéenne, a été disqualifié. Avec Ulster Duranche qui a l'avantage, avec en deuxième position le numéro 2, Univers Brévillet. The Wall est en troisième position avec Ulrika de Venas, l'onde d'accord de Talion Prieur. Alors que le numéro 15 vient d'être disqualifié, c'est Philippe Saptel. Assez incendu parcours avec côté corde Ulster Duranche, avec également à son extérieur Univers Brévillet. The Wall qui est en troisième position avec côté corde Talion Prieur. Ulrika de Venas vient ensuite avec Unique Barallo. Alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 15. Numéro 1, pardon, Tango Argentin. Avec toujours Ulster Duranche qui a l'avantage. Avec en deuxième position, Univers Brévillet. En troisième position, Talion Prieur. Ulrich de Venas vient ensuite avec côté corde Unique Barallo. Alors qu'à son extérieur, nous avons Tango Deol. Avec également côté corde San Piero de Mai, accompagné par Sidney Vox. On est un peu plus loin avec Umbrella de Chenu et également avec Trésor d'un Ardel. Alors que le numéro 3, The Wall, a été disqualifié. Ils vont aborder le tournant, pas de changement en tête, à savoir le numéro 4, Ulster Duranche, avec en deuxième position le numéro 2, Univers Brévillet. On est en troisième position à l'extérieur avec Talion Prieur, alors que le long de la corde, nous avons toujours Unique Barallo dans l'ensillage San Piero de Mec, et plutôt côté corde, alors que Tango Deol est à l'extérieur en 6-7e position. La casaque blanche de Sidney Vox qui trotte maintenant en 9e position, avec côté corde Uranium du Paou, accompagné également à son extérieur par Trésor d'un Ardel, alors qu'on est un peu plus loin avec Ulier de Fac, avec également Uros de Extrême. Ulrich Présinière fait partie de l'arrière-garde. Il leur reste un peu plus d'un tour à parcourir avec Unique Brévillet qui prend maintenant l'avantage. Avec en deuxième position le numéro 4, Ulster Duranche. En troisième position côté corde, Unique Barallo avec également sur la même ligne. En quatrième position, Talion Prieur. Alors que dans leur sillage, nous avons toujours San Piero de Mai avec Ulrich de Venas. En septième position, nous avons Umbrella de Chenu accompagné par Tango Deol. Sidney Vox est un peu plus loin avec Udoté d'Ulysse. On est encore un peu plus loin avec Trésor d'Ardel, avec également Uranium du Paou, avec encore Ulier de Fac et encore un peu plus loin Ulrich Présinière, alors qu'on va s'arrêter avec Uros de l'Extrême. Au poteau des derniers 1000 mètres, on s'est détaché maintenant avec Unique Brévillet. On est en deuxième position, mais en net retrait avec Ulster Duranche, débordé à l'extérieur par Ulrich de Venas. Alors que le numéro 6, Talion Prieur, vient d'être disqualifié. Il leur reste 800 mètres à parcourir. Univers Brévillet qui a toujours l'avantage avec en deuxième position Ulrich de Venas. Nouvelle disqualification, celle du numéro 9, Unique Barallo. Il leur reste un peu plus de 500 mètres à parcourir avec le numéro 2, Univers Brévillet, qui a toujours l'avantage. Mais on se rapproche avec Ulrich de Venas. On se rapproche également à l'extérieur avec Umbrella de Chenu. On est en quatrième position avec Tango Deol. Alors qu'un peu plus loin, nous avons Utodé d'Ulysse avec également Trésor d'un Ardel. Alors qu'on est battu avec maintenant Sidney Vox, dépassé par Ulrich Présinière. Ils vont sortir du dernier tournant avec toujours au commandement le numéro 2, Univers Brévillet. Avec en deuxième position, nous avons maintenant Tango Deol. En troisième position, côté corde, Udoté d'Ulysse avec également Umbrella de Chenu. Il leur reste 50 mètres à parcourir avec Univers Brévillet qui a toujours l'avantage. Avec en deuxième position, Tango Deol avec Ulrich de Venas. Et à l'extérieur, on finit fort avec Trésor d'un Ardel. Avec la victoire du numéro 2, Univers Brévillet. La deuxième place pour le numéro 8, Tango Deol. Et la troisième place pour